L'abandon d'un sponsor après pratiquement 10 ans est toujours quelque chose de difficile, hein. Ça veut dire mettre les bouchées doubles, ça veut dire mettre tout le monde sous pression alors qu'ils y sont déjà. Ça veut dire travailler jour et nuit pour décorer les motos, peindre les motos, changer tout ce qui doit être changé. On était hors jaune, on était hors blanc et rouge, donc c'est complètement différent. Et c'est éliminer le passé et puis regarder vers l'avenir. Et donc c'est un travail même psychologique qui doit être fait. Vous savez qu'on a engagé un pilote espagnol. Et garçon très actif d'ailleurs au niveau des relations publiques, etc., et qui est un grand personnage en Espagne, Fonsi Nieto, qui m'a présenté beaucoup de personnes, parmi lesquelles j'ai rencontré un entrepreneur espagnol très, très connu, un jeune entrepreneur qui a d'excellentes idées, Javier Hidalgo, et qui a une société qui s'occupe de téléphone. Et donc, nous serons sponsorisés l'année prochaine par une société qui s'appelle Pepe Phone et qui a comme particularité non seulement d'avoir téléphone, mais une compagnie d'aviation qui s'appelle Europair, d'avoir une compagnie de location de voitures et des hôtels. Tout ça est interconnecté et donc notre publicité, notre sponsoring sera basé sur ce type d'activité.